Technologie Express de Planète GT. Aujourd'hui, on parle de la Tesla Roadster. Tu peux déjà liker, t'abonner parce que ça va être ouf. Action. Vous êtes obligé de savoir que Tesla a présenté un Roadster que personne n'attendait. Alors qu'à la base, on devait parler de camion. Et quelle folie! C'est une voiture incroyable. Mais je voudrais qu'on prenne quelques instants quand même pour parler du style, parce que je crois que nous venons de voir la plus belle Tesla existante à l'heure actuelle. 1,9 secondes les amis, 1,9 secondes ça doit être comme ça. C'est trop rapide. 1,9 secondes pour le 0 à 100 km/h. Et évidemment le dire en chiffres ça paraît fou, mais le voir en vrai. Holy crap. On parle d'une vitesse maximale supérieure à 400 km/h, 1000 km d'autonomie à vitesse d'autoroute. Le 400 mètres départ arrêté se fait en 8,8 secondes. C'est plus rapide que la voiture la plus rapide du monde actuellement, à savoir la Koenigsegg Agera RS qui a explosé tous les records dernièrement. C'est dingue. Il faut bien comprendre, c'est que cette Tesla Roadster est un monstre au-dessus de tous les monstres existants. C'est une hypercar. C'est-à-dire que tous les monstres que l'on connaissait jusqu'ici, c'est-à-dire McLaren P1, Porsche 918, la Ferrari, Bugatti Chiron, explosé par un véhicule électrique. Que ce soit sur le 0 à 400, que ce soit sur le 0 à 1000 mètres, que ce soit sur le 0 à 100. Et surtout, faut pas oublier un truc, c'est que pendant la présentation, Elon Musk a dit un truc impressionnant, c'est qu'il a dit que c'était la version de base. This is the base model. Du coup, si c'est juste la version de base, est-ce que ça veut dire que les autres seront plus puissantes? Parce que à 1,9 secondes de 0 à 100, il y a des gens qui vont mourir dans cette voiture. Whoa. C'est une boucherie absolue, et on va pas se mentir, il y a plein de questions qui se posent. Parce que, bordel quoi, la voiture fait 250 000 $. Vous pouvez la réserver actuellement pour 50 000 $. Mais 250 000 $, alors pour le commun des mortels, ça paraît inaccessible, mais c'est juste rien du tout, rien du tout. Une LaFerrari, ça se vend des millions, une Bugatti Chiron, plusieurs millions, c'est de la folie de pas la vendre plus cher. Mais surtout, quel est le poids qu'elle va faire? Parce qu'une Tesla Model S P100D, à l'heure actuelle, ça fait 2300 kg, avec une batterie qui fait 700 kg. Sauf que là, on a une batterie deux fois plus puissante avec 200 kWh. Donc on a du mal à imaginer comment cette voiture peut faire moins de 2 tonnes, mais quand on la voit en déplacement sur les quelques images qui sont sorties pendant la présentation, elle a l'air de plutôt bien se mouvoir. Peut-être que Tesla est juste en train de faire un super coup avec cette Roadster parce que ça leur permet d'avoir plein de personnes qui vont la réserver pour 50 000 $, donc de faire une sorte de grosse levée de fonds qui va leur permettre de par exemple produire la Model 3 parce qu'on l'attend la petite, et après ça d'ici à 2020 ils auront le temps de trouver le moyen de réaliser cette voiture sur tous les aspects techniques. Bref, il y a plein de questions qui se posent, mais cette voiture est excitante et honnêtement j'ai juste envie de monter dedans, je vais pas vous mentir. Il faut le dire, bien joué Tesla, franchement vous nous avez eu. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de cette Tesla Roadster, que ce soit sur le style ou les performances, parce que je suis halluciné. Je veux juste monter dedans. Si j'avais les thunes, j'en aurais acheté une. Il faut qu'on aille la voler. Faut qu'on aille la voler et qu'on la teste, parce qu'on peut pas attendre 2020. 2020, c'est trop loin. Bref, les amis, abonnez-vous, kiffez, salut. Je vous embrasse, vous fais plein de bisous. Et kiffez la vie, kiffez la vie, kiffez la vie. On se retrouve bientôt, salut.